Salut à tous, c'est Démon, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur Marvel Avengers. Et avant toute chose, je souhaite une nouvelle fois vous. Vous souhaiter une bonne année 2023. En espérant qu'elle soit prospère et joviale pour vous. Je vais parler de plusieurs choses avant de démarrer vraiment de jouer. Je sais que durant l'année 2022, j'ai annoncé beaucoup de choses, que beaucoup de choses ne se sont pas faites et ne risquent pas de se faire parce que, après mûre réflexion, c'est compliqué. Alors, pas forcément de mettre en place logistiquement, pas forcément de trucs, mais il y a un côté flemmagie aiguë, peut-être, en partie. C'est fort probable. Mais c'est aussi surtout un côté investissement de temps, investissement d'argent. Voilà. Je peux pas forcément toujours, j'ai pas toujours le temps. Hein, vous savez, j'ai un travail à côté et que je ne peux pas toujours me permettre de pouvoir faire les enregistrements parce que, bah, je suis un peu comme tout le monde, hein. Je fatigue au bout d'un moment. Je tire encore une fois mon chapeau hein, quand j'apprends que certains streamers ont un boulot d'un côté et stream encore des 5 heures par la suite et tout ça. Moi, c'est impossible pour moi. Je ne peux pas faire ça. Ouais. Non. Je suis peut-être flemmard, hein, mais honnêtement, ouais, c'est fatigant quand même. Mine de rien, alors je peux très bien comprendre que certains disent ouais mais attends tu joues à un jeu vidéo c'est pas fatigant. C'est une certaine fatigue parce que il faut parler et garder son attention sur un jeu vidéo et en même temps savoir ce que l'on dit, ce que l'on parle. C'est pour ça que par moments je suis silencieux. Ça, puis ben mine de rien il y a des moments où mon travail me prend beaucoup d'énergie. Donc j'ai de la fatigue qui se cumule sur souvent. Durant mes vacances, ben, vous savez, j'ai 3 enfants, dont Nicole Geek, dont 2 autres petits. Et bah, durant les vacances, c'est pas vraiment des vacances pour moi, c'est limite des vacances quand ils sont à l'école. Et encore, puisque quand je rentre du travail, ben, ils rentrent en même temps. Parfois, je vais les chercher quand je finis un petit peu plus tôt et que j'ai la possibilité d'aller les chercher à l'école. Je vais les chercher. Et ça veut dire que c'est du non-stop. Parce qu'une fois que le travail, que mon travail se termine, j'ai mon travail de père qui prend le relais. Donc d'adulte par rapport à des enfants, les devoirs, tout et tout. Hein, ils sont, même s'ils sont autonomes et qu'ils ont la dizaine. Il y a des choses que on reste tout de même dans l'obligation, j'ai envie de dire, mais bon, après, c'est dans notre rôle de faire. Donc, c'est pareil sur le fait de les streams, les enregistrements. Il y a des soirs, on n'a pas forcément envie. Vous avez vu pour le réveillon de Noël, malgré que, comme je vous ai déjà expliqué, je suis pas trop fête précise et compagnie. On n'a pas streamé parce que bah voilà, on fait notre réunion, enfin notre réunion de famille entre guillemets et notre repas familial. Du coup, ça n'a pas trop sa place de faire un stream en même temps. Je préfère profiter avec mes enfants que faire un live. J'en suis désolé et je peux comprendre que certains ne le comprennent pas. Mais voilà. Je voulais aussi remercier à ceux qui se sont engagés hein, sur la chaîne. Engagé est un grand mot, hein, qui se sont abonnés à la chaîne préalablement. Je remercie à ceux qui s'abonneront dans le futur. Et je voulais vous rappeler que bah, les meilleures façons de pouvoir aider la chaîne, soutenir la chaîne, c'est avant tout ben, s'abonner, liker, mettre un petit commentaire, hein, même si c'est juste un petit coucou, hein, c'est toujours plaisant. Hein, puis je m'efforcerai, même si ça ne sera pas dans l'immédiat
de pouvoir répondre assez rapidement. Parfois, je réponds via mon téléphone, parfois, je répondrai en rentrant quand j'arrive à l'ordinateur. Parfois, ça sera peut-être un jour de repos puisque j'ai des horaires parfois décalés, donc je vous répondrai. Tout dépend du temps que je peux accorder, mais je vous répondrai toujours si nécessaire. Vous avez aussi plusieurs liens dans la description des vidéos qui vous permettent de soit commander sur Instant Gaming via mon lien d'affiliation. Vous, ça ne vous donne rien de plus, hein, ça ne vous donne pas de promotion supplémentaire. Instant Gaming est un site qui revend des jeux aussi bien PlayStation, Xbox que PC via GOG ou via Steam. Lorsque vous achetez un jeu via mon lien, je touche 5%, je crois, dessus, qui est reversé sur mon compte Instant Gaming. Ce qui me permet par la suite de pouvoir acheter des jeux pour pouvoir par la suite d'ailleurs vous permettre de vous présenter d'autres jeux. Vous avez aussi un lien dans la description, je crois, alors ça va être par StreamElement pour pouvoir faire un don. Alors j'en parle jamais, je ne suis pas là à quémander. Et là, c'est juste pour vous dire que ça existe. Si ça vous intéresse et si vous voulez pardon, aider la chaîne, n'hésitez pas. C'est bien évidemment, c'est si vous pouvez, hein, vous ne mettez pas dans le mal si vous ne pouvez pas. Après, je comprends très bien que d'autres chaînes sont peut-être plus adéquates à la chose. Ma chaîne, c'est ma vision du jeu vidéo. Je joue pour m'amuser. Je joue pour me divertir, pour passer le temps, pour me changer la tête des tracas de la vie quotidienne. Et pour moi, il n'y a pas une question de performance, d'être compétitif, et tout ça. Je suis loin de tout ça. Voilà, moi, c'est vraiment un divertissement. Le monde de Dark Angel, c'est totalement ça. C'est vraiment. On joue en jeu, on est posé, et puis c'est tout. On ne cherche pas à midi à 14h. On ne cherche pas à épater la galerie. C'est prendre plaisir dans le jeu vidéo, et uniquement ça. Tout comme certains prennent plaisir en regardant des films ou lire un bon bouquin. Moi, c'est de jouer au jeu vidéo. Donc, j'espère encore pouvoir le faire des années et des années. Sur ce, on retourne sur Marvel Avengers. C'est parti. Oula. Oula. Okay. Et un hangar de moins pour la hyène. Enfin, trois de moins. Calme-toi, Stark. Hé, réponse. Il y a des gens qui ont pas un millier d'années devant eux pour casser des trucs. Oh, tu lui as manqué, Thor. Je me souviens de ces moments passés tous ensemble comme si c'était hier. On va faire des blagues de papa, Cap. C'est bien. Je vais pas me laisser faire. D'autres générateurs. Aucun signe des autres inhumains. Garde espoir, ils sont forcément quelque part dans le coin. Je me demandais quand mes vieux amis allaient se montrer. Ça me met les larmes aux yeux de vous voir tous réunis à nouveau. Vous me facilitez la tâche en venant vous faire tuer. Je n'ai même pas eu besoin de venir vous chercher. Qu'est-ce que c'est ça? Laisse-moi deviner, des robots violets? Carlton? Ouais, il peut contrôler ses unités à distance. Élimine-les en premier!
occupe-toi d'eux. Aïe aïe aïe. Ah, on est d'accord. La partie est finie, Jean. Je vous tiens. Optimiste jusqu'à la fin. Vous allez mourir le sourire aux lèvres. Avengers, avec moi. Ils auraient bien voulu un monstre plein de rayons gamma dans leur camp. Bah, ils en ont un, l'abomination. Mais il n'a pas été entraîné en interne. Les vaisseaux semblent émettre une étrange brume noire. Qu'est-ce que c'est? La population commence à paniquer. Tout le monde crie et s'enfuit. Certains semblent affectés par la brume. Il y a... On dirait que ça déclenche quelque chose en eux. Oh oh, je crois pas mes yeux. L'AIM est en train de tirer sur les avions de l'armée. Fichons le camp d'ici, vite. Pitten Rogers. Autrefois, nous pensions que le Terrigène allait changer le monde. Je sais. Et c'était une erreur, George. Ne m'appelez pas comme ça. George a échoué. Modok, non. On ne peut pas guérir de ça. Ou de ce qu'on est devenu. Que voulez-vous dire? Le pouvoir ne peut être contrôlé. Je le sais maintenant. Nous devons le détruire. Non. Notre sacrifice restera dans l'histoire, Captain. Je crois que tout le monde a entendu. On va aller s'occuper de cette tour. Et de sa tête. Je te suis. Moi aussi. Très bien. On peut pas atteindre le dernier transmetteur dans le Kunjet. Y'a trop de tirs. On s'en occupe. La porte devant nous mène à la base du transmetteur. Je vais suivre Hulk. Et essayer de ne pas me tuer en tombant. Bonne idée. Juste une seconde. J'accède au système. J'ai le deuxième, c'est cool. Attendez, je peux pas... Non, je peux toujours pas l'améliorer. Compétences, ça marche. Toujours un point. Bon. Eh ben... Je sais qu'il y a spécialité aussi, hein, vous inquiétez pas, hein, je sais qu'il y a les différents trucs. Mais je pense que d'abord, s'occuper de nos attaques de base est la meilleure des solutions. Parce que... voilà quoi. Obligé, je garde cette armure là. Hein. Elle est trop stylée. Les attaques de corps à corps à 1 font progresser la charge d'étourdissement plus rapidement. Pourquoi il ne met pas celle-là? Attends. Non, c'est bon. Ok. J'ai pas des trucs rouges. Je sais pas comment on en a. J'ai pas été voir cargaison non plus. Allez voir vite fait. Ah si, bien sûr, on a déjà été voir. Entière tir de foire. Tenue légendaire. Non. Nye, nye, nye. Je suis mort. C'est ce qui se passe quand on réfléchit pas et puis qu'on court. Hein. Alors c'est possible que je coupe cette mission en plusieurs parties. Parce que vous comprendrez que
Je peux pas taper que des missions de 45-50 minutes. On peut pas atteindre le dernier transmetteur dans le Kunjet. Y a trop de tirs. On s'en occupe. La porte devant nous mène à la base du transmetteur. Je vais suivre comme... Hulk. Et essayez de ne pas me tuer en tombant. Bonne idée. Juste une seconde. J'accède au système. D'accord. Mauvaise idée. Oh, je sens que je vais beaucoup mourir dans cet épisode. Oh. Comme je vous ai dit, il n'y a pas de honte. Je sais qu'il y en a qui font beaucoup plus mieux que les autres. C'est pas important. On peut pas atteindre le dernier transmetteur dans le Kunjet. Y a trop de tirs. On s'en occupe. La porte devant nous mène à la base du transmetteur. Je vais suivre Hulk. Et essayer de ne pas me tuer en tombant. Bonne idée. Juste une seconde. J'accède au système. Non mais putain, en fait il y a le problème de qui se rattrape sur le bord et compagnie et ouais, enfin bon. J'ai dit que je vais beaucoup mourir hein, dans cet épisode. Hein. Vous savez que moi le truc de plateforme en trois dimensions, j'ai horreur de ça. Que Avengers souffre d'un vilain problème de caméra ou des... On peut pas atteindre le dernier transmetteur dans le Kunjet. Tout le temps en train de chercher. La porte devant nous mène à la base du transmetteur. Je vais suivre Hulk. Essayez de ne pas me tuer en tombant. Bonne idée. Juste une seconde. J'accède au système. Attends. Mais qu'est-ce que tu me mets ça? Faut ouvrir cette porte. Je m'en charge. Surveillez les générateurs du champ de force. S'ils virent au jaune, détruisez-les. Et le capitaine Rockets. Sans lui, ils sont perdus. Hé, je crois que j'ai compris ce qu'il vient de dire. Oh, Hulk, y a une gamine qui t'écoute. Vas-y, mollo sur les insultes. C'est inutile, Captain. Vous menez les vôtres à leur perte, comme ils vous ont mené à la vôtre autrefois. Et pourquoi? Aucun de vos précieux fans ne saura que vous êtes mort. Waouh. Il maîtrise bien l'arme de monologue de méchant, tu sais pas? 5 ans d'entraînement. Elle commence à te ressembler, Stark. On y travaille. Jetpack vous ennuie, vous aussi? Il me rappelle une autre armure volante. Oh, c'est pas très gentil de parler de Thor comme ça. Oh, j'arrive pas à croire que je me bats avec les Avengers. Max, je ne vois aucun générateur du champ de force viré au jaune. Ce sera bientôt le cas. Oh putain, rien. Laisse-moi une minute. J'imagine qu'après une sieste de 5 ans, on perd vite patience. Captain attend beaucoup de chacun de nous. Montrons-nous à la hauteur. Enfin quelqu'un qui a la bonne attitude. C'était juste un échauffement. Générateur du champ de force, Cap. Détruis ce bouclier. Merci, Nat. Le
bouclier a été désactivé. Nat, tu t'en sors avec la porte ? Difficile de pirater et de se battre en même temps. Tu ne t'amuses pas ? Vous voyez ce que je vois ? Ces adaptoïdes, ils ont des pouvoirs d'inhumains ? Je les vois, mais on a une mission. Laisse Cap s'en charger. C'est la raison qui doit nous animer. Le temps des héros est révolu. La grosse tête est encore en train de bavasser, vraiment ? Oh là là. Ah putain. Widow, t'as vu ça ? J'ai vu. C'était génial ! Non, bam ! T'es différentiel, mon pote ! Kamala, je sais, je me concentre. Hey, moi j'ai tout vu et je t'ai trouvé génial. Merci. Non. Putain. Oh la vache. Bah oui, mais... Ah. Ça fait du bien. Ok. Vive la vie. Aïe. Oh non, pas un gros truc, pitié, putain. Passons aux choses sérieuses. C'était pas sérieux avant ? Occupe-les ! J'ai presque fini avec la porte. Bah voyons. Et par contre, je prends des points de compétence de ouf. Donc... Lui il est complet. Bah écoutez, ma foi, on va prendre ça maintenant. Même si je sais que j'arriverai pas à le faire. On va juste enlever les trucs qui brillent. Si, petit. Truc relou. Ok. Toujours pas de... J'ai besoin d'un coup de main, réponse. Oh putain. Des princesses réponses pour toi. J'arrive. Oui, l'armure tient le coup. C'est ta manière de me demander si j'ai fait du poids. Hey, tout le monde n'est pas un super soldat, l'ami. Paris Dollar, ce pays est en pleine cure de détox. Je tiens le pari. Je préfère garder le silence. Oh non, mais t'es sérieux? Quoi ça? Ok.
Captain Monica, vous voulez dire. Cap, il a repris le contrôle des portes. Je m'en charge. Hulk, occupe-les. Je suis dans une salle qui doit servir à conduire l'électricité. Sûrement pour le dernier transmetteur. Tout est électrifié. Cherche des commutateurs. L'AIM doit avoir prévu un moyen de tout désactiver pour la maintenance. Ah, d'accord. D'accord, ok. Il y a un truc qui cloche. On n'a pas encore vu les inhumains. Souviens-toi du niveau de sécurité de la prison. L'AIM ne va pas nous les donner si facilement. Mais on peut pas les libérer tant qu'on n'est pas certain que l'AIM ne va pas les gazer à mort. Tony, un peu de tact, s'il te plaît. Oui, désolé, Kamala. Non, t'as raison. Il faut qu'on arrête ce signal. Je m'en charge. Ouvrez-moi. Ok. Qu'est-ce que je n'ai pas vu? Donc j'allais là-bas. Non, je sais pas comment on y va. Aidez-moi. Je dois courir sur ça, non? Non, mais je sais pas, je comprends pas. Là-bas, mais je sais pas comment faire. Ah. Capitaine, vous n'étiez pas là. Vous n'avez pas entendu les témoignages. Toute cette douleur. Personne ne devrait avoir à vivre ça. Là-dessus, au moins, on est d'accord. J'ai vu ce qu'il se passait quand les gens au pouvoir décident qui mérite de mourir, docteur. Je ne vais pas laisser l'histoire se répéter. Alors, ne nous obligez pas à vivre un autre A.I.D. Mais vous et moi ne l'avons pas vécu. Ça fait partie du problème. Oh putain, un coffre, ça faisait longtemps. Bon, on va faire une petite pause là. On va s'arrêter là, et ça sera pour la prochaine vidéo, la suite. Je suis long, je meurs beaucoup. Ouais, je le sais. Y a pas de souci avec ça. Ok. Ok. Putain, j'ai encore un point de compétence, sérieux. Vous savez quoi, on va faire par ligne. Après on fera ça. Déjà lui. Appuyez sur R2 en attrapant le bouclier pour le relancer avec plus de force, ce qui inflige déjà les... Donc vous savez que moi je suis pas très fanat de l'attaque à distance, hein, donc ça va être compliqué. Bref, sur ce les démons, j'espère que vous avez passé un agréable moment, même si je suis mort une bonne partie du temps. Que c'est chiant, mais c'est comme ça. Sur ce, n'hésitez pas à mettre un like, un commentaire, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait,
activer la cloche de notification. Je vous rappelle, c'est ce qui permet le like et l'abonnement, c'est ce qui participe le plus à l'évolution de la chaîne. Et puis, ben voilà. Allez, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao, bye bye.